Donc préparez ça pour... Le chef de cuisine, il y a deux invités normalement. Donc souvent c'est des collégiens. Après il y a aussi la diététicienne. Et aussi il y a, c'est tout. Et en fait on fait les menus. Ça dure à peu près 2 heures et on fait les menus. C'est dur. Maxime, si tu veux bien donner le nombre de voix que tu as pour chaque thématique. 7 pour la quantité et qualité. 7. Pour les repas du monde, il y avait 4 voix. Il y a des gens qui font des mauvaises blagues sur les tables, pour retrouver des trucs dans le pot. Oui, dans le sac, c'est pas très agréable. Les gens se serviraient plus des entrées, des salades, si on pouvait soi-même proposer à partir de, par exemple, du maïs, de la salade, de Sur le collège Henri Matisse. On a pensé avoir une corbeille à fruits pour avoir des fruits frais toujours à disposition si on n'aime pas forcément les desserts. Cultiver un arbre à fruits pour avoir des produits frais et qui viendraient directement pour que ce soit plus rapide, pour que le transport soit plus rapide. Déjà, on a déjà fait l'envoi des personnes qui devaient aller à la commission. Et on a pensé aussi à faire sur chaque repas à thème changer de continent, par exemple sur la deuxième semaine des vacances d'avril. Ce serait le lundi 25 avril et le jeudi 28 avril. Et en fait, c'est pour préparer le repas. C'est pour préparer le repas, tout à fait, ouais. Là, ça, c'est une très bonne initiative. S'il vous plaît. Voilà. Ah, bien fort. Repas du monde. I love you. Il y a des choses à travailler derrière. Donc, par exemple, quantité qualité, c'est faire des potagers ou des trucs comme ça. Au moins, on peut faire quelque chose derrière. Oui, voilà, on peut acheter bio, ou manger frais, ou des trucs comme ça. Un iceberg, bien vu, c'est un iceberg. Mmh. Ça va, c'est un iceberg.